présente l'édition Kitchen Lito que j'ai fait avec Émilie Azier. Donc Émilie Azier est l'inventrice de la Kitchen Lito, qui est en quelques mots une dérive de la lithographie avec des matériaux moins toxiques et des médiums plus accessibles. Donc par exemple, la lithographie, il faut une pierre pour ça. Là ici, en Kitchen Lito, elle va être remplacée par de l'aluminium comme les rouleaux poutreaux qu'on fait en cuisine. L'acide par du soda ou du vinaigre. Vraiment ce genre de médium. Donc là, avec Émilie Azier, je vous mettrai d'ailleurs son site web en description. Donc une petite présentation du coup de l'atelier d'Émilie. Donc son atelier s'appelle l'atelier Kitchen Print. C'est une micro-entreprise dédiée à l'impression d'art DIY et moins toxique. Donc son domaine principal à Émilie, c'est la recherche, l'auto-édition et la vente de manuels en ligne liés à l'estampe DIY et moins toxique de la Kitchen Lito. Donc inventée en 2011, la Kitchen Lito est une lithographie simple et non toxique avec des feuilles aluminium et du cola. Émilie Azier est une artiste plasticienne née à Épinal où elle a fait ses études artistiques à l'école supérieure d'art de Lorraine, donc là où je suis aussi actuellement. Elle est fondatrice de l'atelier Kitchen Print, comme je disais, et elle revisite les anciennes techniques d'impression d'art pour les adapter en mode fait maison, donc do it yourself. Il faut savoir aussi qu'Émilie elle organise des biennales de l'estampe dans le monde. Donc, ce qui fait qu'elle reçoit vraiment toutes les participations de tous les pays, donc le Mexique, le Japon, le Portugal, l'Espagne, l'Amérique. Donc elle reçoit vraiment des estampes un peu de partout et en fait elle organise un concours là-dessus. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez regarder sur son site. Et l'article qu'elle a écrit à propos de moi et de ma collaboration du coup avec elle. Donc l'édition qu'on a faite s'appelle « J'aimerais ». Donc j'ai conçu de A à Z les images et le texte. Elle m'a aussi aidé à corriger le texte. Tout ce qui est ancrage, reliure, papier, ça a été fourni par Émilie, que je remercie vraiment pour ça parce que c'était pas forcément très accessible pour moi. Donc sur cette édition, il y a eu un total de 350 ancrages, donc tout à la main. Donc avec Émilie, elle m'a un peu montré comment on faisait, mais c'est elle qui a fait la plupart du boulot d'ancrage. Il y a eu deux couleurs, du rouge et du noir, qui a fallu aussi, selon les pages, réussir à les superposer pour que ça fonctionne vraiment bien. C'est pour ça que de temps en temps, on voit des décalages au niveau des couleurs, parce que c'est fait à la main, et entièrement à la main. Donc que ce soit le façonnage, la conception du livre, tout a été fait manuellement. Pour ce qui est du thème de l'édition, j'ai voulu parler de tout ce qui était nature et environnement, parce qu'aujourd'hui c'est une préoccupation. Donc cette édition a été l'occasion de mettre à un point d'honneur mes préoccupations actuelles sur l'environnement, comme quoi une personne individuellement, malgré tous les efforts qu'elle fera, ne pourra sauver le monde puisque c'est un effort collectif qu'on doit faire, mais ça n'empêche qu'on doit évidemment faire son maximum pour faire des petits gestes au quotidien. Et voilà, ça met au centre toutes mes préoccupations, mes angoisses au sujet de l'environnement, de manière certes peut-être poétisée, mais le sens est là et je pense qu'on le sent à travers l'édition. Donc le livre se présente en leporello, vous pouvez le déplier à votre guise, un peu comme un accordéon, ou le lire tel un livre.
disponible à la vente si jamais vous le souhaitez. Et si jamais vous êtes intéressé par une boutique ou quelque chose comme ça, faut pas hésiter à me le dire parce que j'en ai pas encore créé une. Mais si ça vous intéresse de m'acheter des prints ou des petites images que je confectionne, je serais ravie de créer cette boutique et de pouvoir vous partager un peu ce que je fais. N'hésitez pas, et si vous ne souhaitez pas acheter le livre en entier, je vends aussi des impressions, des estampes individuelles, donc des pages, des doubles pages tout simples. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu.